tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nouvelle vidéo très spéciale. Alors, qui n'est pas une vidéo normale parce que c'est un vlog spécial clip. Parce qu'aujourd'hui, regardez qui est avec nous. L'officiel. L'officiel, le seul, l'unique. Jérémy, parce que c'est Jérémy qui nous aide pour faire tous nos clips. C'est lui qui va tenir la caméra, c'est lui qui va filmer, c'est lui qui fait le montage. En fait, on ne fait pas grand chose. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un clip un peu spécial parce qu'on n'a jamais fait de clip comme ça. À chaque fois, on essaie de faire des clips un peu différents de d'habitude pour pas trop que ça vous saoule, hein, c'est normal. Aujourd'hui, il est vraiment différent. Alors aujourd'hui, il est vraiment différent parce que déjà, c'est pas une musique normale, c'est un remix. Ouais, un remix de Bubblegum. Un remix de Bubblegum, donc si vous connaissez pas la musique parce qu'elle a pas trop marché, c'est normal, c'est un bide parce que le clip est pas fou, voilà. Honnêtement, c'est le pire clip qu'on ait fait. Du coup, on décide de refaire le clip, mais version un peu fake. Et là, si on va leur dire où on va dans une boîte de nuit. Donc normalement c'est totalement interdit pour Lily Rose, elle peut pas rentrer. Sauf que là évidemment on y va quand c'est fermé, donc elle a le droit de rentrer, tout ça. Voilà, on y va dans un cadre professionnel. On est parce qu'on est débutant. Non, on est professionnel. Donc regardez, vas-y, lève-toi. Montre ton magnifique. Tu peux leur montrer, alors vas-y, mets la veste aussi. On va leur montrer. On va vous montrer la tenue qu'elle a préparée pour le clip. On est allé acheter tout ce matin. On n'a pas commencé le vlog ce matin parce qu'on était ultra speed. Mais là, vous allez tout suivre avec nous parce que Lily Rose va faire le DJ. Enfin bref, vous allez voir. Déjà, en chaussures, mes petites Doc Martens parce que. Ouais, ça. Ou sinon, le pantalon, il est beaucoup trop grand. Elle les avait déjà. Ensuite. Un petit pantalon comme ça. Un pantalon type. En cuivre un peu. Mais c'est du plastique. Ouais. Ensuite. Un t-shirt comme ça. T-shirt blanc basique. Et une veste. Voilà, une veste un peu moumoute. Ça, c'est un peu vintage. Avec des lunettes. Et des lunettes comme ça, un peu transparentes, rose. Enfin, violette. Ouais. Donc, c'est parti, les amis. On va prendre la route avec toute la famille. Et même le chat tu veux venir? Le chat, il est là. Il a envie de partir. Ouais, les amis, on se retrouve tout de suite sur la route. C'est bon, les amis. On est arrivé là. On est arrivé dans le lieu. Regardez comme c'est énorme. Ouais. Voilà, donc c'est gigantesque, c'est Dimitri. Voilà. Salut les amis. Un ami, un de mes amis. Bah, vous l'avez vu, ah bah, voilà, maintenant ils te connaissent. Sans les lunettes, c'est Kwakubé. Voilà, vous l'avez vu dans Kwakubé, il a fait une petite apparition. Donc là, on est en train de tout mettre en place avec le DJ qui va nous aider. Et bah, regardez, Lily Rose va se mettre juste ici. Elle a eu le droit à un petit marche-pied. Je vais devenir une vraie professionnelle. Parce qu'elle est beaucoup plus petite que les platines. Ouais. Donc on va tout installer. Et on est au Macumba. Alors voilà, je pense que pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vos parents connaissent, mais pas vous, ça m'étonnerait. C'est une boîte de nuit qui est énorme. Bah, comme vous le voyez, regardez la taille. Et encore, il y a une salle derrière. Enfin bref. Donc là, c'est parti. On va installer les vidéos qu'on va mettre sur les écrans derrière. Et bah, c'est parti. Je me mets dans les loges là parce que il y a un bruit de fou franchement dans la discothèque. Ça va extrêmement fort. Du coup là je visite un peu les loges. Ah bah regardez, il y a le Père Noël qui est déjà arrivé au Macumba. Donc là on est dans les loges, bah, là où tous les artistes viennent avant de faire leur concert, leur showcase. Franchement c'est fou, il y a plein de gens, plein de stars qui sont passés ici si vous saviez. Enfin bref, là je vais vous raconter vite fait l'histoire parce que Lily Rose est en train de s'entraîner à jouer avec les platines là de DJ parce qu'elle sait pas du tout faire. En gros, à la base il y aura Jérémy qui va faire le DJ. On va le virer pour laisser place à Lily Rose qui va mixer à sa place du coup devant plein de gens. Alors vous allez me dire, les gens sont pas là, c'est vide. Vous allez voir dans le clip, ça sera pas vide. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à travailler hein, parce qu'il y a du boulot. On doit tout faire en 2 heures. T'es prête Lily Rose? Ready. C'est trop bien. Trop content de pouvoir faire ça ici. Et bah Lily Rose, en plus toi t'aurais jamais pu rentrer ici. Ah non. Parce que normalement les boîtes de nuit c'est à partir de 18 ans. Mais là comme c'est la journée qu'il y a personne. Bah écoute, dans quelques années hein. Peut-être okay. Ouais. Bon allez les amis, comme je vous ai dit, on va bosser. A tout de suite. Oh la boule à facettes géante. Je rêve d'avoir ça dans le salon. Ouais moi aussi. En plus il y a la place hein. Ouais, il y a la place dans notre salon. Bon, on va peut-être le reprendre. Oui. Ça va être compliqué à emporter je pense. Ah
coup les amis, là on est épuisés, je transpire de partout. Vous avez vu quelques images du clip du coup qu'on a dû vous mettre maintenant. On doit sauter de partout, alors le clip se passe au même endroit tout le temps, mais c'est épuisant. Donc là on va faire les plans du début où ça sera Jérémy qui va être le DJ et on va devoir le virer. Donc voilà, ouais. Iros, tu vas devoir virer Jérémy. J'espère que j'espère que ça va bien rendre à la caméra. Du coup, on a préparé. Ah ouais, bah elle a super chaud, tu m'étonnes, parce que moi j'apparais une fois toutes les 10-20 secondes, je viens lui faire un petit coup. Ouais. Je viens sauter. Donc la tenue de Jérémy pour être un DJ, ça sera des petites lunettes sympas comme ça. Voilà, mes lunettes que je porte tout le temps. Et on a pris un peignoir pour faire un DJ un peu décalé comme ça. Ouais. J'espère que ça va bien rendre. Bon allez, on va voir comment il se débrouille au platine. Ah bah alors là, on a un nouveau DJ. DJ Peppa Pink. Pink à la platine. Avec le petit dorme de Popitmania. Hello. Hello, hello, oh, oh, et hello. Alors pour ceux qui se demandent à quoi servent tous les boutons qui sont là, bah on n'en sait rien, franchement, on appuie au hasard, j'espère qu'on n'a pas tout déréglé. Enfin bref, allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la suite du tournage. Oh là 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 là. Regardez-moi ce DJ professionnel. Parce que faut que tu partes avec le casque. Ah oui, DJ professionnel. Bon. Je vous rassure, dans les boîtes de nuit, ils sont pas comme ça. Hein. Enfin, quoique, en vrai, c'est fun, hein. Tu pourrais la garder cette tenue. Et du coup, voilà, c'est parti. Je vais devoir le virer pour laisser place à Lily Rose. Bon, voilà, on a terminé avec les platines, donc là on va tout couper et il nous reste un plan où on va devoir arriver dans la boîte de nuit et voilà, on va arriver discrètement parce qu'on va dire Lily Rose elle a pas le droit de rentrer tout ça, donc on va arriver discrètement et après vous, dans le clip, vous allez voir qu'on va virer Jérémy. Bon alors, ton ressenti? Bah c'est carré. Elle est super contente parce qu'elle a pu jouer avec les platines et mettre de la musique d'Angèle. Oui, Angèle. Alors qu'elle est fan d'Angèle. Angèle. Du coup elle a pu jouer dans la boîte de nuit à mettre les musiques qu'elle veut. Enfin bref, elle s'est pas mal amusée. Donc franchement le clip est pas mal. Bon, je pense qu'on va se retrouver tout de suite pour la fin, pour voir ce qu'on en a pensé, est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Fin de tournage. Oui, en vrai, c'est vrai, ça a été rapide. Ah bah, très rapide, franchement. Ouais. En 2 heures, alors c'est le clip le plus court qu'on ait fait. À part, non, la rentrée. C'est la rentrée. On a tourné à Valras en C'est la minutes. Rentrée, mais tu l'as on fait avait sur fait scène. En one shot. Tu l'as fait sur scène pendant un concert. C'était un clip live. Mais là, c'est pas un clip live parce qu'en vrai, il n'y avait pas de... Il n'y avait personne, hein. Voilà, c'était vide de chez vide. Du coup, ça a été vite et tout. Donc, tout le monde a participé, même Valentin, il a fait un petit peu de en figuration. Passant, même Dimitri, pareil. Moi, j'ai fait la foule. T'as fait la foule. J'ai fait la foule. Tout le monde a contribué au clip. Donc, c'est cool, les amis. Vous pouvez découvrir ça en cliquant juste ici ou là, je sais jamais. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais. Pour un nouveau clip. Ciao.